Ce jeudi 8 avril, j'ai tenu à manifester ma solidarité à Benoît. Benoît, tu as été agressé, jeté à terre, blessé sur une place de marché dimanche dernier, alors que tu distribuais des tracts dans le cadre de notre campagne pour les élections régionales en Pays de la Loire. Tout à fait. Oui. Ce que je tiens à condamner fortement aujourd'hui, c'est l'usage de la violence en politique. En France, nous sommes en démocratie, le pouvoir se prend dans les urnes, il ne se prend pas par la peur, il ne s'en prend pas par la violence, il ne se prend pas par des agressions d'autant plus injustifiables qu'elles sont totalement gratuites. Cette agression, ça n'est pas une bousculade, ça n'est pas un échange de coups entre couleurs d'affiches, c'est l'intention délibérée de nuire, c'est l'intention délibérée de blesser et de mutiler par des professionnels de la violence. Et je pense, en raison de la violence des coups qui t'ont été portés, probablement par un professionnel des sports de combat. Nous attendons, comme tu les attends, Benoît, des manifestations de solidarité du maire de Saint-Nazaire. Ce n'est pas le maire d'un parti, c'est le maire de tous les Nazériens. J'attends, en qualité de tête de liste aux élections régionales, j'attends les manifestations de solidarité d'autres partis. Je condamnerai pour ma part toute agression violente à l'égard de tout militant politique faisant simplement son œuvre de militant politique qui consiste à distribuer des tracts, à s'adresser à la population ou à coller des affiches. La violence en politique est totalement illégitime.